et bonne soirée. Ciao. Bonne soirée à toi. Merci. Bon, Vital ne s'est toujours pas démarré. Non. Voilà, toi tu restes derrière. Putain, oh putain, oh putain. Toi aussi. C'est Asmo qui m'a appris à freiner comme ça. Oh merde. Oh pardon. Le fameux freinage de trappeur. Ah oh, vas-y file Smoke, y'a pas de souci. Ah bah c'est moi la plus marrant. Il pourrait regrouper devant. Oh. Non, tu vas voir ce que ça fait de faire un 6-14 enfoiré bah. De toute façon t'as bien vu ces mecs là maintenant qui gagnent, ils sont plus pareils, ils sont changés. Ah c'est clair. Tu sais qu'à une époque en plus, Smoke et moi, on était quand même coéquipiers, je veux dire. Hein. On a souffert ensemble en GT3, on a pleuré, on a ri. On a gagné, on a perdu. Tu vois. Et là maintenant, c'est comme ça qu'ils traitent. Mais bien sûr, c'est pour retourner, c'est un grand mec. Ouais. Et par contre, Echo, je commencerai à me poser des questions parce qu'entre Smoke qui t'a jeté et Rez, dont on voit clairement qu'il est meilleur sans toi. Alors, Rez, en fait, faut savoir que c'est nous qui l'avons remis sur le mercato parce que c'est un bon pilote, mais ingérable, Rez. Déjà, on comprend rien à ce qu'il dit la moitié du temps. Juste pas, tu disais quoi sur le drift? Bah, t'as vu comment faire maintenant, c'est bon. C'est au point. Okay, j'étais juste pour savoir. J'étais pas sûr que t'avais plus compris. Bon, on peut regrouper la vitesse, c'est pas drôle. Je pensais vraiment vous attendre au prochain virage. Bah non, attends, on va te botter le cul. Suis les guides là, je vais continuer à vous suivre les guides. Espère qu'on dise pas des 3-14, je sais pas quoi, là. C'est bon, 6-14, ça va aller 5 minutes. Ah merde, il a Ah, il l'a fait. Donc. Quelle petite bite. Ah non, mais moi je m'en fous, touchez-vous. Pardon, excusez-moi. Hop, je passe. Regarde, merde, il est 3ème. Vas-y, passe avec ta chatte orange là. Merci. Moi je m'en fous, je veux juste gagner. Voilà. Bon bah Vital, tu sais comment le remercier au prochain virage, hein, je crois que t'as la technique. Exactement, qu'est-ce que tu crois que j'étais en train de penser? Je vais lui apprendre à faire des saltos. Bah mais attends, il manque quelqu'un, il y a quelqu'un qui est un peu loin derrière. Ah oui, ça. Oui, il y en a même 3. C'est bien votre façon de faire un regroupement. Alors. Je sais pas qui c'est qui est passé derrière. Par contre, lancez-vous là. Tout s'est bien passé. Ouais, putain. Oh là là, j'y crois pas, le truc improbable. Ouais, c'est clair. Vous le verrez au ralenti, je pense que je vais uploader cette vidéo. Ok, comme ça je garde mon autre ralenti. C'est un peu moins con. C'est bon là, tout le monde est derrière? Ah non, mais Nico, ce qui pourrit devant. Ouais, c'est bon, tout le monde est derrière. Ah, c'est pas mal. Excusez-moi, j'ai botté le cul à Ecos. Ah, mais tu vois, on arrive, on suit. Là, j'essaie de relancer loin. Ah, ok. Je vais voir si je peux pas toucher Vital au passage, moi. Ah. Les causes. 2-14 par tour, on a dit. Hein. Pas 1-14. Il est en combien, là? 1-11. Ouais, ça va. Attends, il est à combien, là? Ah, mais là, ça compte pas. On va faire un ralenti. Ah mais j'ai levé un peu le pied, ouais, histoire de, tu vois. Je vais l'éblouir avec mes phares. Bouf lol. Tu sens ce que le chaud sur ta nuque qui cause? Ça va être tellement humiliant ce qui va se passer en plus. Et Léo, il est tout prêt? Ah, il a un petit peu de toi quand même, le fond. Ah, il a quand même une seconde 7 d'avance. En un tour, ça risque d'être compliqué sur ce circuit. Oh, tu sous-estimes ma pourritude. Oui, peut-être, ouais. Ah, c'est bien, je fais le lièvre du coup, je crois que ça vous énerve hein, cette histoire en tout cas. Un petit peu, ouais. Un tout petit... Comment te dire?
Moi ça fait un tour que j'ai écrit 06 devant avec Vital devant moi, on fait quasiment le même temps, ça bouge pas. J'ai écrit le meilleur tour Vital, tu me l'as repris salaud. Eh Vital, depuis si Chouillet était là il aurait pas permis hein. J'étais pas en train de dépasser, j'ai le droit. Oups. Oh lolo, c'est arrivé prêt pour être où ça derrière. Non, tu crois? Je me suis réveillé, ah y'a bien rajus. Bon, je pense qu'on va faire un beau final. Tout va se passer au prochain freinage. Ah, il y a un freinage. Belle vue de pare-choc là. C'est quel freinage. Drift, petit drift contrôlé. Hop. Désolé. Oh, il n'y a pas de freinage, il n'y a pas de freinage, j'ai perdu. Aïe aïe aïe. Casse-toi, Echo. J'ai déjà dit. Quel dépassement. Bien joué, Patou, on les franchement, veut. Nickel. Alors là, je porte plainte. Mais comme... Patou, sérieux, tu regardes ma caméra sur la dernière touchette. Comment j'ai mis le coup de volant pour pas me faire propulse par Echo et que je le balance, c'est pas mal. J'étais direct sur Vital. Mais je t'avoue que j'ai essayé de tous vous serrer, hein, mais ça a pas marché. Echo, franchement, si je faisais pas ça, je partais en vrac. J'ai tenté le contre-braquage préventif et ça passe, ça a payé. Bon, je crois que je ferai la vidéo avec la vue intérieure et la vue extérieure. Ça pourrait être un truc rigolo. Eh hey, Cos, t'as vachement amélioré ton temps, t'as fait 6-13-810. Ah, c'est ça d'avoir la pression devant. Eh, c'est mieux ou c'est pas mieux là, peut-être? Ah, c'est mieux, ouais. Voilà, alors tu te calmes.